la petite rampe. Et bien là, hop, il suffit de charger avant. Pas besoin de faire d'autres essais. Ça passe crème, hein. Entre la puissance moteur, la qualité de la gomme et la suspension arrière, en mode full power, ça envoie du steak. Et puis là, j'ai les manivelles de 175 en plus. Donc j'ai une puissance, un couple personnel qui est bien au-dessus des critères officiels grâce à cette longueur de bras, jambes de force, avec une manivelle 10 mm plus longue que les standards. Quand c'est pas des manivelles de 160 d'origine sur les vélos. Si je veux me rendre compte la différence entre ce mode turbo en mode super power et un mode turbo classique, ben j'ai pas modifié, j'ai pas personnalisé mon mode IMTB. Et là, je viens de passer en IMTB. Le IMTB automatiquement dans ce type de zone, eh bien il va chercher les 340% du mode turbo. Et vu qu'il n'a pas été modifié au niveau assistance et dynamisme, j'ai mon turbo classique. Et si je veux voir la différence, j'appuie et là je sens un petit plus de l'ordre, je sais pas, peut-être 5% on va dire. C'est pas non plus énorme, c'est vrai qu'on n'a pas eu tout le chiffre officiel. C'est pas transcendant, mais on sent un petit plus, on sent la cuillère de sucre supplémentaire dans les fraises qu'on manquait de soleil. Et oui, ce plus 5 en dynamisme, en assistance, c'est des rayons de soleil en plus, mais c'est pas non plus une journée de soleil, un jour de pluie. C'est le petit plus, la petite différence pour pouvoir ajuster son assistance et profiter un max de son vélo. Le rendre encore plus fun, plus ludique, mais gare à la conso, hein. Là, la batterie de 750 Wh, elle est mise en mode forte sollicitation. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis pas parti jouer 3 heures, plutôt 2 heures. Donc je peux être dans du sur-régime. Il n'y a pas de souci. Le vélo là ne fait des obstacles qu'une bouchée. Ceux qui connaissent ce sentier de crête d'Adam Blanche apprécieront. Allez, je vous mets la vitesse. Ça vous donne une idée pour pouvoir comparer avec vos propres lignes. Comme vous pouvez l'entendre, hein, ça touche énormément, hein. Un sacré légende, ça, qui colle au cube. Je pense qu'un bon réglage suspension, peut-être aussi un petit peu le choix des lignes. Mais là, par endroit, il n'y a vraiment pas le choix. Il y a beaucoup de choses qui dépassent. Mais ce cube, il ne touche pas plus qu'un autre, hein. D'ailleurs, un autre, dès l'instant qu'il est bien réglé, ah, regardez, même pas toucher le tronc, en mode passer les troncs. Bonjour. Bonjour.
Et même pas toucher le tronc en mode passer comme un Marcelin. Par contre là il faut se méfier. Mon repère de freinage à base de zonquilles a peut-être été arraché. Malheureusement. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de venir cueillir des fleurs. Mais laissez-les tranquilles ces fleurs. C'est la nourriture de tous nos butineurs. Et là, le mode ultra tonique du turbo n'est pas forcément facilement gérable sur des petites vitesses comme ça. Hein. Voilà, on va arrêter là aujourd'hui pour ce sujet, mais vous avez vu comme c'est hargneux là, ça part tout de suite. Donc, vous engagez pas sur quelque chose de trop technique si vous testez ce mode sur votre vélo. Commencez par le dompter. Avant d'aller chercher du pointu sommital avec du gaz de chaque côté. Petit conseil maison ça.